Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle partie dans le cadre de la Ligue française. Ce soir j'affronte Antoine Daniel. Ici je serai russe, il sera américain. Voilà l'avancée de la saison. Je n'ai pas fait beaucoup de matchs sur les 10 qu'il faut faire, j'en suis que à 3. Et Antoine, lui ce sera déjà son sixième match. Il a eu qu'une seule défaite, il a tout gagné sinon et moi j'ai gagné mes 3 matchs. Un bon adversaire, on va voir ce que ça va donner. Classé. Et voilà, on est parti. Alors lui aussi enregistre les vidéos. Donc je pense que on aura l'occasion de voir le match de son côté une fois que ce sera terminé en voyant ses commentaires et puis ses mains. Bon, quelques bonnes cartes, quelques mauvaises cartes. J'ai la Destal, je suis content. J'ai deux cartes 4, je suis content. J'ai des Factors en main, je suis très content. Et j'ai la guerre indo-pakistanaise qui est très bien également. Mais pas de bonne headline. J'hésite même à jouer la CIA en headline. Ça lui montrerait le blocus qu'il devrait garder en main. Ok, classique 4-4-2. Espérons que ça sera une belle partie. Je pourrais jouer l'abdication en Roumanie en headline pour avoir un peu de combustible pour ma déstalination. Je pense que je vais faire ça. Mais je jouerai la CIA plus tard. La déstalinisation, ça peut être un bon headline. Hein. J'aurais pu mettre un point au Liban et ça aurait fait une différence d'au moins 3 points de victoire. Ouais, si je savais que j'allais faire 6, j'aurais fait un coup d'état en Italie. Comment ils ont codé ça, mais c'est incroyable quoi que les accents génèrent de telles erreurs. Ah, il avait aussi une carte 4. Ah, il fait 6 aussi. Très bien.
Ouais, chacun son 6 comme tu dis. Cinq, c'est pas mal pour finir. Évidemment, il va pouvoir aller en Thaïlande, mais il pourra pas rester. Aura pas facilement accès au Pakistan et à l'Inde. Il faut qu'il aille en Thaïlande et en France. On pourrait aller en Colombie, ce serait rigolo. En tout cas, on s'est débarrassé d'une carte très gênante et ça fait plaisir. On ne perdra pas à cause d'elle. En tout cas, pas immédiatement. Peut-être que le point d'accès que ça lui donne me ferait perdre la région et que ça sera pénalisant. Eh ben en tout cas, ça fait bien réfléchir. Peut-être que il s'est fait déranger. Oui, pourtant, il avait une bonne main. Hein. Il n'a pas hésité à faire un coup d'état avec une carte 4. Ouais, je pense que là il s'est fait déranger. Il a quand même l'air d'avoir une très grosse main. Hein. Ça me plaît pas beaucoup.
bon. Je pense que je vais jouer le plan Marshall. Maintenant que l'Europe est perdue, on va prendre la Corée du Sud avec plan Marshall. Mettre un point au Pakistan. Bonne question. Alors, je vais me concentrer sur l'Asie. La vraie question c'est est-ce que je prends le Pakistan ou est-ce que j'envoie dans l'espace? Envoyer dans l'espace ça me fait un point de victoire économisé plus potentiellement 2 points de victoire, ce qui fait 3 points de victoire. Prendre le Pakistan ça en ferait 5. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux de prendre le Pakistan. Petite combinaison entre la purge et le blocus, sachant que on a eu 1, 2, 3 cartes 4 passées. Si j'ai la purge, ça sera 4, il resterait que l'OTAN. Donc là, il reste une carte 3, forcément, et une carte haute. Donc on va voir ce qu'il joue. En carte 3, il y a Comecon, il y a... Ouais, il y en a plein, il y a Pacte de Varsovie, il y a... De Gaulle. Il y avait... le gouvernement socialiste. Voilà la purge. C'est moi qui ai Truman en plus, ça c'est cool. L'intervention des Nations Unies n'est pas passée. Hein. J'ai eu interdit l'intervention des Nations Unies, j'ai eu interdit pas mal de choses.
J'ai deux cartes avant d'agresser en Europe. J'ai Truman et Nazi à jouer. Potentiellement, le blocus me donne la décolonisation. Truman, je peux le jouer en Afghanistan. Je pense qu'il a la décolonisation là, vu ce qu'il a mis Angola, Zaïre, ça laisse pas beaucoup de doute. Ouais, ça c'est pas très bien joué. Bon, ceci dit, il esquive le de cette façon. Ouais, il esquive un peu. J'ai trois cartes à jouer. Si je veux jouer la carte Chine et Vietnam et blocus, ça veut dire que je me garde ça pour le tour d'après. Très bien. Tu peux pas lutter. C'était avant qu'il fallait mettre des points en France. En agressant comme ça en Europe, ça laisse une certaine tranquillité en Asie. Oh. Ouais, mais tu vas pas. Tu vas passer un tour, quoi. Et si j'ai une carte 4, le prochain coup, je prends la France.
je pense qu'on peut faire des comptes en Asie. Non, je vais faire Cambridge 5, comme ça je prends la France. En tout cas, ça m'assure que il mettra pas 5 points de victoire en Europe. Et j'ai la guerre de Corée pour faire mes points d'opération militaire. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir lui qu'on n'a pas vu? Fidèle. Fidèle, j'ai pas vu. Suez, on n'a pas vu, hein. Fidèle, Europe, Suez. Ah, il a récupéré containment. Ouais, il me fait cracher un peu de points de victoire, mais c'est pas grave parce que j'en fais en Asie. Ça fera 5-5. Ouais, ça, il y avait deux calculs, et puis il perd un peu, au lieu d'avoir une énorme main, il a un truc un peu moins fort. Bon, et puis j'ai récupéré le coup d'état, du coup j'ai les deux points de victoire, du coup deux points d'ops. Donc ça c'est cool. J'ai beaucoup hésité sur intervention des Nations Unies, parce que ça veut dire que je sacrifiais la révolte au Vietnam. Oh, mais encore une carte 4. N'importe quoi ça. Et il aura payé 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal.
sachant qu'il lui reste Suez et une carte fidèle. Du coup, je connais sa main. Ouais, il me donne fidèle. Ok. Ah, il essaye de raligner. C'est pas bête. Au final, on s'en sort pas si mal que ça en point de victoire. Je pense que je vais lui remettre une petite purge dans les dents. Je vais essayer de garder gouvernance socialiste pour le prochain tour, je sais pas. Ça c'est dur. Ouais. Bien triste, mais bon, je fais mes points d'opération militaire, ça c'est cool. Faut que j'aille en Libye. Obligé de jouer l'OTAN, oui, sachant que la mission spéciale est dans la défausse, aucune raison de la garder. Libye, c'est important s'il a Nasser, sa date, pardon. Moi, ouais, je pense qu'il l'aurait déjà joué, mais quand même. J'espère que je pourrai envoyer deux cartes dans l'espace aussi.
Je vais vraiment prendre un tour vide là parce que heureusement que j'ai mis la purge. Beaucoup de cartes à envoyer dans l'espace. C'est bien, ça lui coûte cher tous ces trucs. Un peu moins vernis que lui quand même hein, en ops. Mais en plus ma purge a servi qu'une fois pour le moment. Ah, peut-être deux. Parce que j'ai envie du missile, il aurait pas joué comme ça, je pense. S'il a one small step aussi. Ça va faire mal s'il a one small step. Okay. Il avait one small step, oh là là. Qu'il a passé des feux de torve. Il a pas surprotégé la France. Ça donne envie de taper dedans. J'espère avoir une carte 4, mais il en reste pas tant que ça, sachant qu'il a un viré flower power. Pas nucléaire test ban. Il n'y a plus l'OTAN. Il n'y a plus le plan Marshall, il n'y a plus le pacte de... Je sais même pas s'il en reste. Par la carte Chine. Ok, on s'en
ça c'est pas très grave. Alors il en reste avec Brejnev. Une main bien ignoble, hein. C'est bien dégueu ça comme main. Enfin, du coup, je vais pouvoir envoyer ça dans l'espace. Ah, bah, même là, je peux le jeter. C'est lui qui l'a, la carte 4, évidemment. Pouvoir setup un réalignement sur l'Angola. Putain, ça va quand même, hein. Au niveau des mains, il a vraiment des mains royales. Je pense que je vais prendre le Botswana avant. Hein. Ou pas. J'échange une carte 1 pour une carte 3. Il a des mains de ouf, quoi. Ouais. Il m'embête. Là, j'ai mes 2 points de victoire. Je peux essayer de le réaligner à plus 0 ou alors je peux faire pupette. Celui-là, je pense qu'il a quand même payé un peu cher, hein. J'ai quand même envie d'aller dans l'espace. Réaligner à plus 0, ça peut se faire. Hein.
J'aurais dû prendre le Botswana avant, c'est peut-être mieux joué. Ah, oh, je fais 6. Ah, oh, l'horreur. Enfin, toutes les autres décisions, et si je savais que je faisais 6 sur D, ouais, réalignement ou coup d'état, c'était mieux. Ah, voilà la carte Chine, ok. Je refais 6. Donc j'ai réactivé. Allez, un petit raté. Ouais, c'est pas mal. Et comme ça, je vais pouvoir prendre la France. Faudra au moins ça pour lutter contre l'Amérique du Sud. On a brochoir. Ah, on a traité la BM. Ce qui permettrait de conserver. Ça va lui donner tellement de points de victoire, tout ça. Bon alors, brochoir rate tout le temps, mais on va voir si ça rate encore une fois de plus. Il avait l'air d'avoir pas mal de cartes compliquées, bah, il y avait la révolution culturelle qu'il voulait pas jouer. Vindicate.
world. God willing, that goal will be achieved. Qu'est-ce que j'enlève d'autre? Allemagne, comme ça, l'autre va le gêner. Et du coup, s'il fait un coup d'état, on va voir. Ce qu'il décide de faire, moi je vais garder mon traité ABM. Je vais aller récupérer la France. Oh, si je fais un gros jet, je pourrais prendre la Thaïlande, mais c'est mieux de prendre en Amérique du Sud quand même. Sur le gros choix, une chance sur deux. Il a sûrement un junta ou un truc comme ça, parce que j'ai eu brochoir traité ABM. Il fait le coup. Oui, c'est vrai que ça s'active pas. Et leur guerre israélo-arabe, elle s'active plus vu que j'ai fait. J'ai fait comme David. Ça, je vais sûrement le regretter. Il faudra bien que je surprotège en Asie. C'est que pour brochoir, il fallait plus que deux.
cool. Ça, c'est cool. Tain, du coup, j'hésite. Ah, faut que j'aille quand même au Venezuela avec gros choix. Je suis sûr qu'il a Junta ou un truc comme ça, sinon je prends l'Algérie. N'en parle plus. Ouais, Venezuela c'est plus fort. Ah, oh, ça rate toujours. Putain, j'avais une chance sur 3 de rater, quoi. Par mettre un point en France. Ouais, ça c'est pas très gênant. J'ai quand même bien sauvé 5 points de victoire là, en Amérique du Sud. Dur de faire mieux, hein. L'Angola était importante aussi. Hein. Là, l'Algérie protégeait la France des jets de réalignement. Je pense que je vais finir par Asknot. Il va y avoir l'échafaud, donc tout ce qui va défausser, je vais le récupérer. Ça me permet de bien. Ah, il y avait Muslim. Ah, oui, non, c'est déjà fini. Ok. Ah, j'ai Allende aussi. Enfin, j'ai encore une main dégueulasse. Pouah. C'est fou. D'avoir des poubelles comme ça. Et j'ai pas protégé France, Corée du Sud, Corée du Nord, Inde. Je crois qu'il a eu aucune carte 1. Ah si, il a eu Sadat et Nations Unies. Et ouais, c'est pas vraiment une carte 1. Ah, il y en a 7. Attends, moi j'en ai vu une, 2, 3, 4, 5. Ah, je l'ai eu une fois 6. 7, 8, 9, 10, 11. J'ai encore envie de pas faire mon coup d'état là pour protéger la France, pour ah non, protéger la France c'est peut-être une bêtise parce qu'il y a le. Il va pas l'attaquer, il va compter sur la chute du mur de Berlin.
J'ai pas besoin de faire de coup d'état. Est-ce que je mets mon dernier point? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8. Faut vraiment que j'aille le chercher là-bas. Peut-être que je peux tenter un jet de réalignement. Deux jets de réalignement. Ouais, mettre un point en Thaïlande, c'est quand même pas dégueu, hein. Pas faire de coup d'état, ceci dit. J'ai la guerre de Corée pour faire mes points. Prend l'Algérie ou est-ce qu'il fait un coup d'état sur les États sahariens? Et donc il a finalement eu junta, comme je disais. C'est que ça lui fait une carte de décompte à ce tour-là, parce que moi j'en ai eu deux de coups d'avant et ça fait très longtemps qu'il en a pas eu. Ouais, il en a eu pouf, deux cartes de décompte. On n'a pas eu beaucoup de cartes de décompte en fait jusqu'à présent. Gagner la guerre de Corée, ça me mettrait bien, ça protégerait et la Corée du Sud et la Corée du Nord. Sérieux? Ben là, c'est plus compliqué. Il se pose la question, est-ce que je fais un coup d'État ou est-ce que je reprends l'Algérie? Ah, mais je peux pas faire de coup d'état, moi. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, quand même.
Oh la vache. Très bien. Mais sérieux? Putain, sérieux? Oh, et je fais 6 quoi. Ah ouais. Ah oui, bah oui, même pas sûr si tu veux. Si tu veux. Est-ce que il faut que je rattaque la France quoi en air tu qui veux devoir jouer l'Afrique. Bon, on a une demi-heure d'écart là entre nous. Regardez le tour 5. Ok. Putain, j'ai tellement envie de break la France là.
Faudra une carte qui baisse le Defcon et qui... ou qui me permette de jouer pendant le... Ah putain, il je peux même pas break. Je pense qu'il faut que je protège les Corées. Hein. Quoique il va taper sur le Pakistan s'il fait un coup d'état. Hein. Est-ce que j'ai des endroits où je peux la réaligner? Venezuela. Nigeria, ça fait un point. Botswana, ça ferait un deuxième point s'il n'a pas de présence. Position de réaligner le Nigeria. Donc là je fais 6 moins 3, ça fait 3 points. Donc on tombe à 6, je suis tout pile. Pourquoi il attend? Ah, okay. Tear down this wall, c'est moi qui l'ai eu. Ah. Révolte au Vietnam. Ça, on aime. Aussi, on aime bien. On pourra chercher soit Junta, soit Brechois. J'aimerais bien que ça me servirait à un moment donné, Vietnam Revolt. Bon, Voice of America est dans la défausse, il ne reste plus que Star Wars pour l'activer. Après tous les bons événements qu'il a eu... Putain, j'ai encore une main full bleue, c'est abusé. Ah, ça c'est cool. Du coup, il faut que je garde Arms Race. Très bien. Gardons-le. J'ai bien compris que t'avais Wargames. Tant mieux pour moi alors.
avance pas encore l'Europe, hein. Ouais, bah, je crois qu'il n'y a rien d'autre sur lequel je peux taper. Ah, j'ai fait 6 sur le DE Thaïlande, c'est pas dégueu. Parce que le coup de la mouconnerie, c'est peut-être vrai, mais peut-être pas, hein. Faudrait que je joue d'abord à Sknot et ensuite Salt. Pour voir ce qu'il a envie de jeter. Putain, il a pas de feu de décompte en Moyen-Orient. Bon, j'ai pas le choix. Ah si, j'ai le choix. Ouais, je pourrais aller choper un truc pour le jouer tout de suite. Ça fait pas plus que ça.
bah, Junta, hein. Pas trop le choix, va falloir taper en Amérique du Sud pour casser cette domination de merde. Ouais. Va bien jouer. C'est ouf quoi. Dans l'espace perdu, il avait quoi? Middle East. Middle East, ça faisait pas gagner. Yep, on a tous les deux enregistré. Bon, moi je vais arrêter là. Et à bientôt. Bon, je me serais quand même assez bien battu. Hein, parce que j'ai pu. Bah, des fois ça marche pas, c'est comme ça. En Asie, j'ai pas réussi à retourner. Mais j'étais pas si mal quoi. J'avais compensé l'Europe. L'Afrique pouvait compenser l'Amérique du Sud si, si les décomptes tombaient bien quoi. Et là, le. Il a eu tout quoi, il a eu les accès. Qu'est-ce qu'il a? Il a VOA et OAS quoi. Shuffle qui lui donne Voice of America tour 7, voilà, je peux rien faire, toutes les cartes de toutes les petites cartes, pas grand chose à faire. Il m'interdit l'accès avec les deux libération théologique. J'ai beaucoup de cartes bleues. Hein. Bah tout le midwar quoi. Pénible à gérer. Sachant que j'avais déjà dû gérer la CIA. Ouais.
booster là, hein. Je suis obligé de faire 4 ops quoi. Avec une main super compliquée. Et ça c'était une belle combo, mais quand même un bel combo. Ouais, là j'avoue que je l'ai défoncé, mais ça servait plus à rien. L'espace qui était pas bien vu, alors que j'avais quand même fait des. J'avais senti quoi que je devais envoyer dans l'espace, je sais plus quand. Le pupette peut-être là. On va dans l'espace et ça n'a pas suffi. Il a aucun décompte sauf quand ça l'arrange. Là, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Boum, boum. Peut-être que j'aurais dû tenter un jet de réalignement sur Venezuela. Et du coup, baf. Enfin, en même temps, je pouvais pas faire de coup d'état. Ah, si, peut-être. Ouais, mais j'étais obligé de prendre les points de victoire. Sans cette menace, je pense que je tentais le jeu de réalignement. Ouais. Mais j'aurais dû. Peut-être qu'au dos. Mais bon. J'avais pas grand-chose, hein. J'étais vraiment, mais ouais, c'est ouf quoi. Bah, je me suis pas trop dispersé, hein. Ça c'était pas prévu hein. Containment, tu l'avais joué tour 1. Putain, il a eu des mains de ouf. Bah normal.
totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. Oui, je sais. Si j'avais pas eu la CIA, t'aurais pas su que j'avais le blocus tour 2. Hein. Et là, je pense que vu toutes tes ops que t'avais, tu t'es dispersé là. Au final, enfin, on a perdu un tour chacun. Peut-être que j'aurais dû la jouer plus tôt. Mais compliqué, j'avais vraiment une main de merde. Il faut que je parte dans l'espace. Au final, j'ai réussi un jet de dés. Wouh! Et ça aurait pu me coûter plus cher puisqu'il avait One Small Step. Il a pas joué Defectors. Bon, allez, à plus.